Voilà, nous continuons avec les conditions. Nous allons voir la boucle E. Voilà, nous continuons avec les boucles. Là, nous avons expliqué la boucle pour. La boucle pour, c'est quand on a besoin d'afficher plusieurs choses. Par exemple, on a besoin d'afficher maman, maman, maman 100 fois. Qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser une boucle. Et la boucle elle s'affiche comme ça. Allez, fort. Pour dire pour i par exemple, pour i, on crée une variable qu'on peut appeler par exemple i, qui est égale à 1 et qui part jusqu'à i, jusqu'à ce qu'il est inférieur à 5 par exemple, jusqu'à ce qu'il est inférieur à 5. Et puis, dans ce cas-là, on va faire i inférieur à 5. Et puis, on fait i plus plus. Et puis, nous ouvrons notre boucle. Nous affichons quoi? Nous affichons votre. Vous êtes maman, vous êtes maman, dollar, i. Ok, et puis, nous faisons là. Bon, on va essayer d'afficher, paf, ici en bas. Vous êtes maman 1, vous êtes maman 2, vous êtes maman 3, maman 4. Jusqu'ici. Et puis si on met par exemple là 10, on ira jusqu'à 9. Ici, ça sera 9. Paf. Vous êtes maman 9. Parce que là, ça commence à 1. Et si on mettait par exemple là 0, paf, nous aurons 0 jusqu'à 10. Voilà, ça c'est lorsque vous êtes en train de faire une boucle, vous voulez afficher tout ça. Bon, il y a plusieurs opérations à faire avec la boucle ici. Ici, les variables, si vous allez bouger comme vous voulez. Et ça, c'est la boucle pour, tout court. On passe, j'explique la boucle tant que. Pause. Voilà, donc on a fait cette opération-là. Mais on va essayer de faire la même opération, mais avec la boucle. Tant que, voilà, je crée la variable que je nomme par exemple k, ok, et puis qui a la valeur 0, qui a la valeur 0, et puis j'entre dans la boucle, je dis tant que, while, tant que k est inférieur à 5, ok, ici je ramène aussi à 5. Tant que k est inférieur à 5. Et s'il vous plaît, je vous demande de m'afficher ça. Ok, je prends la même chose parce qu'on veut afficher la même chose. Voilà. Ici, je mets k. Ok. Et puis, avant, quand on quitte la boucle, on fait k plus. Plus, là c'est l'incrémentation. Ok, voilà, on va afficher. Paf. Ah, vous voyez, hein? Là c'est beaucoup de choses. Ici c'est jusqu'à 15. Désolé, c'est 5. Je voulais mettre. Voilà, il y a les 5 là. Les 5 premiers là. De 0 à 4, c'est pour l'autre, et de 0 à 4, c'est pour l'autre. Donc, c'est ça la boucle tant que. On dit, comment ça s'explique? Tant que k est inférieur à 5, affichez, vous êtes maman k. Donc, ici, on affiche maman k égale 0. On sort, on vient ici, on affiche maman k 0, maman 0. On sort ici, on ajoute à k 1. Donc, k devient 1. On affiche k1. K devient 2. Une fois k atteint 5, on vient là-bas, on dit que non,
il n'est plus inférieur à 5, il n'est plus inférieur à 5, il est égal à 5, on quitte la boucle. Voilà comment ça s'arrête à 4. Et si on dit jusqu'à ce que K devient égal à 5, hein, jusqu'à ce que K devient égal à 5, quand on l'exécute là, vous voyez, il part jusqu'à 4. 0, 1, 2, 3, 4. Donc, 5 là. 1, 2, 3, 4, 5. C'est comme ça. Mais si on ajoutait quelque chose de plus sur ça, ça va continuer. Continuer. C'est ça la boucle. Tant que. Voilà, nous allons continuer à faire une autre boucle. Et celui-ci, c'est faire. Faire. Faire tant que. Ok? Faire ceci tant que. Donc, on essaie juste d'inverser les tant que qui est là. On dit, par exemple, que la variable var, elle, qui est égale à 0. Ok? On dit faire do. Donc, on dit do while. Faire print. Ok? On imprime maman. On imprime maman dollar L. Et puis on ferme. Ok. On met les côtes. Paf. Ok. Et puis on dit tant que on ajoute maintenant la condition. Donc on exécute après la condition tant que L égale 5. Tant que L est inférieur à 5. J'ajoute inférieur cette comparaison là. Voilà. Inférieur à 5, je mets point virgule. Et ici on met L plus plus. Voilà. C'est très simple jusqu'à ce niveau-là. Là, c'est tant que. Bon, je cache d'abord ça pour voir ce qu'il va faire. S'il va faire la même chose que les autres. Paf. Vous voyez? Maman 01, maman 02, tout ça, c'est la même chose. Donc là, on fait la boucle tant que. Ici, c'est la boucle for. Donc, si pour i, à la de 1 à 5, on fait la même chose. Et puis, l'incrémentation est là. Ici, l'incrémentation est là. Ok? C'est ça. Et il y a aussi une possibilité que je voulais aussi vous montrer. Par exemple, si on met 20. Ok. Et ici, on met. Voilà. Ça, c'est la décrémentation. Donc, on exécute. Voilà. Maman égale 20 ici. C'est tant que elle est inférieur à 20. La condition n'est pas respectée. C'est L inférieur à 20. Non. Tant que égal supérieur à 20. Ok. Et supérieur à 5. Il est supérieur encore. Voilà. Donc, on dit tant que L est supérieur à 5, on fait ceci et puis on est tenté de venir 20, 19. On descend jusqu'à 6. Donc, tant qu'il atteint 5, une fois qu'il atteint 5, voilà, il n'est plus supérieur à 5. Donc, on suppose que 5 n'est pas supérieur à 5. On n'affiche pas 5. Voilà ce qu'il fallait faire. Donc, ça, c'est la décrémentation. Hein? On part dans le sens inverse. Et